Toi là, c'est quoi avec ta voiture là? Tu vois pas qu'elle est grippée? Elle est grippée, elle est grippée. C'est toi qui dis que tu sais tout faire? Tu es mécanicien, tu es curé, tu es Zidane. C'est quoi? Ouais, fais vite, on va partir. Allez, viens rentrer, on va partir. Démarre d'abord. C'est quoi? C'est pas possible ça. C'est quoi encore? Ah là, je comprends plus rien. Pourtant, il faut qu'on aille délivrer le chef, quoi. Décidément, dans ce village-là, il n'y a aucun véhicule qui démarre. J'ai une idée. Ah bon? Oui, j'arrive. Voilà. Tu crois que cette vitesse-là, ce temps-là va nous mener à temps en ville pour délivrer le chef? T'en fais pas, je m'emporte garant. Tu as fait le plein? Trois bottes de foin, un seau d'eau. Ça devrait aller, non? C'est le chef qui te sera reconnaissant. Hé, hey, Lagui, tu es sûr que tu ne veux pas venir monter devant? Moi, monter devant un homme qui n'a pas de femme, je suis fou, j'ai assez d'hémorroïdes comme ça. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je ne veux rien insinuer. Je dis que je peux marcher. Ah. Et moi, je suis fatigué. J'ai mal au retour. Lagui, courage. Pense à notre chef. Il doit être entre les griffes de la préfète. Hein? Toi, tu parles comme ça parce que tu es haut perché sur l'âne. Mais ça fait une heure que moi, je marche. Lagui, tu ne vas quand même pas dire ça. Tu sais très bien que si je suis sur l'âne, c'est parce que je suis plus petit que toi. Ouais. Comme ça, je peux apercevoir le véhicule de la préfecture. N'importe quoi. Et puis là où on est là, peut-être même que le chef, il est couché aux frais de la gendarmerie. On lui a donné du riz au gras ou du moisien. Oh, quand même. Tu ne vas pas parler comme ça d'un martyr, Lagui? Laisse-moi. Ah. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Je ne peux plus. Courage. Ouais. Hey, Lagui, tes rotules là sont assez reposées maintenant, descends. Ouais, mais le mal là est descendu au tibia maintenant. Quoi? C'est les os de ton crâne qui ne fonctionnent plus normalement, oui. Mais tu vois pas que tu es trop lourd pour l'âne? Hey, tu es curé, non? Jésus il a marché pendant 40 ans à travers le désert là, il s'est pas pris. 40 jours, hein? Pas 40 ans. C'est la même chose. Et moi, ça fait plus de 40 minutes que je marche, toi tu es sur l'âne, tranquille. Descends. Hey, un bon... Mon père doit savoir se sacrifier pour ses enfants. Un bon mon père aussi doit savoir corriger ses enfants de temps en temps. Descends. Hey, hey Lagui. Lagui. Hey, je dis que j'ai mal aux pieds. Oui. J'ai mal aux pieds. Et c'est moi ton âne. Toi, tu n'es pas un bon chrétien. Tu dois avoir pitié de moi. Mécréant que tu es. Infidèle, oui. Suppôt de Satan. Tu es brute. Bon. Lagui, on va pas partir maintenant. Ouais. Toi-même, on dirait un enfant. Regarde comment tu t'es sali. Merci. Tu vois ce que je vois? Non, je ne vois rien du tout, moi. Justement, tu vois l'âne? Oh! Il a disparu. Ah, oui, il a pu bien partir.
peut bien se balader dans une brousse pareille? Si c'est pas des génies, c'est des braconniers. Ils risquent de me prendre pour du gibier. Mais c'est un âne? C'est mon âne? Tu vois ce que je vois? Hé! Hey. On dirait l'âne du chef. Mais c'est le chef qui est dessus. Oh! Ah! Oh, chef! Je vous fais. Lagi! Chef! Ça va? Oh! Je l'ai curé. Oui. On t'a cherché partout. Tu nous as manqué. Hein? Je le savais. Vous ne pouvez pas tenir le village sans moi. Ça va là-bas? Oui, ça va. Hey. Lagi et tes femmes. Ça va très bien. Chez toi, nous on va te laisser. Ah ouais. Non. Vous ne pouvez pas partir comme ça. S'il te plaît. Rentrez boire un peu d'eau. Non, merci ça va, beaucoup. Chef. À la merci plus tard. Beaucoup. Encore merci. Voilà. Merci beaucoup. Ah, chef. Ça va bien? Bienvenue. Mon chef est là. Ah, je suis là. Que Dieu soit loué. Oui, notre mari est là. Lagi. Déjà rentré? Comment déjà? Je n'ai pas le droit de revenir chez moi. Mais si Lagi, on pensait que ce serait dur pour libérer le chef. Mais oui. Dur? Hein? Là, là. Vous croyez que moi j'ai peur de cette préfète là? Ah? Oh, attends. Moi, j'ai dressé combien de femmes comme elle? Lagi, j'espère que tu ne parles pas de nous. Hein. Et Marie, apporte de l'eau à notre héros de Marie. Tu vois bien qu'il est fatigué. Hein? Lagi! 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 Ouais. Hein? Lagi de l'eau! Merci. Lagi! Lagi! Raconte. Quand je suis arrivé, il y avait 20 gendarmes alignés comme ça. Hein? Ils étaient armés des dents jusqu'au front. Ah oui. Le curé, il s'est caché derrière un buisson. C'est le moment que j'ai choisi pour venir libérer le chef. Où est Lagi? Quel courage! Où est-elle? Marie, ne l'interromps pas. Continue, Lagi. Hey! Ah, c'était la lutte. Les hommes étaient là-bas. Lagi! Lagi! Tout le monde me félicitait. Ouais. Lagi! Lagi! Voilà, tout est fin prêt. Les trois hommes les plus importants du village vont se réunir. Et sans palabre pour une fois. Ah, bienvenue chef. Bonsoir. Comment ça va? Ça va.
Lagi, ça va bien? Ça va très bien. Mais Lagi, tu n'as pas amené tes femmes? Je n'aime pas des blagues comme ça. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit à Marie de ne plus venir ici. Oh, tu es trop féodal, Marie de Marie. Quitte-toi. Hein? Il faut sortir les femmes de temps en temps, c'est non? Allez, mettez-vous à l'aise. Hein? Merci. Prenez place. Merci. Bon, moi, je préfère être clair. Si c'est du porc au four, je ne suis pas dedans. Non, Lagi, rassure-toi. C'est du poulet. Regarde. Chef, en ton honneur, j'ai sorti ma meilleure bouteille de vin. Le vin de messe? Tu veux nous servir maintenant le corps du Christ? Le corps de qui? Du Christ. Ah non, 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 non. Moi, je ne suis pas cannibale. Je ne suis pas dans votre affaire. Oh, laisse tomber ça, Lagi. Et sirote-moi ce délicieux nectar de ma cave personnelle. Ah non, non. Moi, je préfère boire de l'eau. Ah oui? Il ne sait pas ce qu'il rate. Hein? C'est vraiment délicieux. Ah ouais, hein? C'est différent de notre dolo. Oh, ça n'a rien à voir. Hein? Moi, je crois que l'eau reste la meilleure. Tu perds beaucoup en ne buvant pas ça. Hein? Servez-vous. Hein? Curé, est-ce que je peux me servir de couvert naturel? Tu as apporté des couverts? Mais si, les voici. Ah, je vois. Deux grosses fourchettes noires à cinq dents. Mais vas-y. Tu n'as pas de calebasse? Calebasse, tu peux pas manger dans l'assiette là? Non, je ne peux pas manger dans une assiette. Tu veux gâter mon gris-gris? Oh. Quel gris-gris? Laisse-nous en paix ici. Toi, tu as un gris-gris. Hé, hey, mange dans l'assiette là et puis laisse-nous. Allez. Bon. Là, je te sers. Voilà, c'est bon comme ça. Oh, encore une cuillerée, là, Guy. Ah, ouais. Voilà. Merci beaucoup. On peut manger. Si tu veux. En tout cas, moi, je dois prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit, hein? Merci. Alors, chef, je peux pas te demander si ça passe, hein? Curé, je te comprends pas. Mm. Tu manges de bonnes choses comme ça et tu es maigre comme une gousse de tamale. Ah non, ça c'est parce que je pratique le football, hein? Ça maintient très bien, vous savez. Ah oui. Lagi, tu es devenu un inspecteur de l'hygiène publique maintenant. Je ne suis inspecteur de rien, mais je me méfie de toi. Il a peut-être peur que je l'empoisonne pour remettre Marie sur le chemin de l'église. C'est pas une question de Marie. Moi, je veux vérifier s'il n'y a pas de queue de tire-bouchon dedans. Si c'est ça, Lagi, rassure-toi. Le seul tire-bouchon qu'il y a ici, c'est ça. Tu n'en trouveras pas d'autre. Allez, bon appétit. Auzubillahi minashaitanir rajim. Auzubillahi minashaitanir rajim. On peut manger maintenant. Délicieux, hein? Vraiment bon. Curé, ton repas est vraiment bon. Ah ouais? Je vais vider ma vessie et puis je reviens. Ah, d'accord. Tu as vu comment le chef mangeait? Tu l'as dit toi-même. Il n'y a pas de porc dans la sauce.
Mais un gros cochon à table. Mais vorace comme on ne peut pas imaginer. C'est quoi qui vous faisait rire? Non, on parlait de porcelain. Voilà, de la porcelaine de mes assiettes là. Tu trouves pas que c'est joli? Évidemment. Quelqu'un qui mange dans une auge ne peut pas apprécier la porcelaine. Qu'est-ce qu'il raconte là? Enfin, c'est moi qui l'attaquais là, parce que comme il avait une attitude de cochon sur la table, voilà, et il a mal pris. Tu connais comment il est là? Vous chamaillez tous les jours, alors que vous êtes copé comme cochon. Comme si debout, qui veut, je vais demander la route. Ah non, tu vas te resservir encore une fois quand même. Non, merci beaucoup. Ma panse est bien pleine. Je ne regrette pas de t'avoir honoré de ma présence royale. De ta présence porcine, ouais. Tu te moques de moi maintenant? Non, c'est le curé qui dit que tu mangeais comme un cochon. Quoi? C'est vrai, curé? Il plaisante. C'est vrai? Non, attends. Tu m'invites pour m'insulter? Mais toi, tu es un traître. C'est pas toi qui as dit. Non, j'ai jamais dit ça. C'est toi. Mais attends, quand il est parti, tu n'as pas dit qu'il... C'est faux, c'est toi qui as dit. C'est pas vrai. Non. Dis la vérité. Quelle vérité? Mais quelle vérité? C'est pas toi qui l'as attaqué tout de suite. Tu mens. Tu vas... Quitte là-bas. Vous êtes tous les deux faux types. Ça veut dire quoi ça? Bon, voilà. Si c'est ça, partez de chez moi. Hey. Allez vous faire voir ailleurs. Quoi? On ne chasse pas un chef, hein. Il parle de lui-même. Bon, parle de toi-même alors. Et moi? Moi, toi aussi? Qui, moi? Mais toi, oui. D'accord. Mais je partirai pas les mains vides. Et tu vas où? Ah, reparle là. Tu me suis pas, hein? Des points, comment? Je prends ça à jeter. Voilà, j'ai pris. C'est grave. Tu vois des goinfres comme ça? Vous avez déjà mangé ça chez vous? Mais c'est pas possible. Hein? J'étais à côté.